Allez, bonjour tout le monde, et ici c'est Landron pour le 13ème épisode de mon let's play sur la saison 2 sur le jeu sport. Allez, je vous reprends, la dernière fois on avait fait toute une razzia, enfin on avait commencé à étoffer notre empire. On avait, non c'est pas cette planète là, ah bah tiens il y a plein d'épices jaunes. On avait fait un petit tour des épices, là je vais continuer un peu avant de tout vendre d'un coup pour me faire un max de pognon, un max de sport flouze, histoire qu'on soit tranquille pépère avant un petit bout de temps. Alors, l'épice jaune, ça c'est fait. Par contre, comme d'hab, je vois rien. C'est quoi cette manie de faire les bâtiments de la même couleur que les blocs? C'est très casse-pied. Bon, je dois avouer que c'est pas forcément très passionnant, surtout quand c'est la quatrième fois qu'on le fait. Mais au début c'est un peu obligatoire tant que j'ai pas de la méga production sur mes planètes. Là ça commence à aller avec la planète à épice violette, mais c'est toujours pas ça. Du coup je fais avec les moyens du bord. Ok, il n'y a pas. Décidément je les vois pas du tout. Hein. Je pense qu'on n'en aura pas tant que ça. Toi par contre je t'ai vu. Alors peut-être qu'ils se placent dans des bâtiments, du coup c'est pour ça que je les vois jamais. Enfin ça m'embête quand même un peu. Ok, là non plus. Oh bah décidément. Faudrait que je détruise les villes pour pouvoir les voir, mais si je détruis les villes, ben, il n'y a plus de revenus quoi. Ah, toi par contre je t'ai vu. Ok, donc sur les 50, j'en aurais même pas trouvé la moitié. Génial. Je vais m'occuper de l'épice rouge. Ouais, mais il y en a même 36, quoi. Je vais m'occuper de la planète à épice rouge qui est juste à côté. Elle est là. Et je pense qu'ensuite, on va essayer d'effectuer des missions pour les autres empires, histoire d'être un petit peu tranquille. Ah oui, il fallait aussi que je regarde les badges. Voir quels sont les badges qui pourraient être intéressants à récupérer et assez faciles pour pouvoir améliorer notre équipement de vaisseau. Voilà. Il faut clairement que j'équipe correctement mon vaisseau. Yep. Ah, je commence à prendre le coup, là on est déjà à 52 épices rouges, on va encore monter un petit peu. Si je trouve les blocs. Ah ouais, trouvé. Hop. Et le dernier. Non, je m'en fous de l'habitant du coin. Voilà, 62, 15, 4 et 20. Je pense qu'avec ça, on va se faire un paquet de pognon, je vous dis pas. Allez, on va faire un dernier petit passage chez nous. Non, pas celui-là, pour l'épice violette. Parce que là, je pense qu'on est à 10. Ouais, c'est ça, 10 sur 10. Il faudrait même que je mette un stockage, parce que je pense qu'il n'y aura jamais assez. Et on va s'occuper... Non, toujours pas cette planète-là, c'est celle-là. Oh, il y aurait quelque chose ici. Allez, on y va. Oh, c'est même pas un piège. Un outil de tir à faux. C'est quoi, c'est Mercian? Ça se voit pas beaucoup. Ça se voit pas beaucoup. Enfin. Attendez, je me replace sur la chaise. Hop, hop. Merde, pourquoi je suis sorti du système? Je devais aller leur vendre. Alors, je vais vous vendre tout un paquet d'épices. Vous allez voir, ça va envoyer du lourd. Ok, 1 500 000 déjà. Avec ça, c'est fait. Presque 1 million avec ça.
Voilà. Ça, c'est fait. 3 millions de fric. Allez hop, marchand 3, je pense qu'on va atteindre le marchand... Ah bah voilà, soute moyenne. On va atteindre le marchand 5 très très vite si ça continue. En plus, je monte en grade, je passe vénérable. Et en plus, je gagne le badge cousu d'or 3. Hein. Comme si ça suffisait pas. Alors, on va acheter la soute moyenne. Hein. Soute moyenne qui... Ouais, voilà, c'est toujours très intéressant. Et on va essayer de se trouver des équipements pas trop chers. On va aller voir sur Anaitor. Bon, par contre, ils vendent des pièces bleues et moi, je m'en fous un peu. Ok, pas ici. Pas ici, pas ici. Là, c'est déjà plus intéressant. Ok, là, il n'y a pas grand-chose. On peut essayer de trouver une autre planète à coloniser, si on veut. Ah, c'est un peu le bordel. Putain, j'ai toujours pas, je suis toujours pas allé voir les violets. Peut-être que je le fasse. Alors, le Gundra... Ah, il y a une rose, en plus. Ah, attention, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je dis que je viens en paix. Parce que, de toute façon, ils sont pas contents avec moi. Ils sont à moins 10. Alors... Une transmission en provenance de machin. Ah et oui, Antel. Sinon on va se faire engueuler. Je pense que c'est les Grox. Enfin je dis ça, ça va être la troisième fois que je dis ça et... C'est jamais les Grox. Ah bah si, ça c'est les Grox. Ce qui est clairement différent. Voilà. On va essayer de les défoncer, même si c'est... Voilà, c'est quand même eux qui nous défoncent. Voilà, ils se barrent, mais enfin... Ils font quand même vachement mal. Ils font quand même super mal. Bon, ok, il faut que j'achète tous les morceaux qui me manquent, capacité énergétique, tout ça, etc., etc. Parce que ça commence à devenir urgent. Évidemment, toi t'as rien. Pas foutu de vendre quelque chose quoi. Elle est où votre capitale? Elle est là-bas. On va aller vous voir. Vous vendez rien, c'est pas possible. Ils vendent le moteur interstellaire 3, ok. On va aller voir ici. Je suis même sûr que dans ma colonie, ils vendent plus de choses que chez vous. En plus, il y a beaucoup plus d'épices. C'est de la bonne. Bon, vous savez quoi, on va les acheter chez nous, même si ça coûte la peau du cul. La mini-bombe, est-ce qu'on la prend? Allez, pourquoi pas, on va essayer de... On va s'équiper en conséquence, au cas où. Pour être prêt à toute éventualité. Alors, le très bon état nécessite conquérant 3 ou colon 3. Ok. La grande soute, ramasseur 3 ou marchand 4. Le moteur interstellaire, voyageur régulier 3 au coursier 2. Missile proton, conquérant 1 ou garde du corps 1. Ouais, ouais, ouais. Faut que je colonise. Il faut que je colonise. Quel endroit je peux coloniser? On va récupérer un peu d'épices. Alors ils m'ont filé une mission, je l'ai pas lu, faudrait que je fasse. Coloniser encore 3 systèmes stellaires. Ok. Ok chef. Ok chef. 3 systèmes stellaires. Ah oui, je vais regarder à combien j'en suis pour voyageurs réguliers. Ça peut être utile. Alors, voyageurs réguliers. Elles sont où mes médailles? Ramasseur, non c'est pas ça. Colon. Colon, il faut encore. Il faut placer 50 bâtiments. D'accord. Où est voyageur régulier? Voyageur régulier. Passer dans 400 systèmes. Ah bah ça va être long, hein.
faut que j'accumule 5 millions de sport flous pour gagner Cousu d'or, mais c'est marchand. 7 millions pour la grande soute. Ok, bon, alors, il faut que je me trouve un système à coloniser. Genre, on va aller voir là-bas, parce que je suis jamais venu. Ok, vous vendez rien. Par contre, il y a une épice de net ici, ça pourrait être très intéressant de récupérer le système. Oh, une grosse naine blanche. Oh oh, épice rose. Bon, par contre, je sens qu'elle va être ultra galère à terraformer. Alors, elle est super chaude. Ouais, non, ça va. Ça va être faisable. Ça va être faisable. Il faut que je densifie l'atmosphère et que je la refroidisse. Allez, c'est parti. On va passer à acheter. Je crois qu'il faut que j'aille dans les autres empires. Et puis, avoir du temps, c'est moins cher. La plupart du temps, c'est moins cher. Alors, le générateur d'atmosphère. Bon, bah, c'est pas moins cher. On va aller voir ailleurs. On va aller voir ailleurs. Tempête glaciale. Donc déjà, hop. Et générateur d'atmosphère, hop. En plus, je suis touche à tous deux. Allons-y. Elle était où? Elle était là, voilà. Alors, c'est une rose. C'est une épice rose, c'est pour ça qu'il va être très intéressant de s'en occuper. Allez, vous êtes prêts? On a déjà posé ceci. Et ensuite, on va appliquer générateur et tempête glaciale. Prêt? C'est parti. Voilà, avec ça, je pense que ça devrait aller. Ça va aller super vite. Je vais pouvoir commencer directement à implanter des petites touffes partout. Et en plus de ça, j'ai récompense architecte planétaire. Par contre, je vais être clairement en manque de créatures. Il va falloir que j'en récolte un peu sur une planète. Hop. Et en plus, je peux faire ça sur un autre niveau. Alors, écosystème stabilisé. Par contre, il y a un truc qui va pas aller. Ah si. Non, elle est déjà présente celle-là. Elle n'est pas encore tout à fait stabilisée. Il faut vite que je me dépêche. Il faut vite que je me dépêche chercher de nouvelles créatures. Pour ça, l'idéal serait une T3. Ici, c'est la... Ah, c'est une T2. Bon, j'allais dire c'est la planète mère, mais il semblerait que ce soit une T2. Bon, ben on va faire avec. Allez hop, aspirateur d'espèces. Ça, ça va bien. Et on va faire avec. Ça commence à être le bordel au niveau des empires dans le coin. Ouais, excusez-moi, j'ai mon portable qui vibre. Ça fait un peu de bruit. Alors, toi, est-ce que t'es déjà là? Ok, j'ai stabilisé un disté. Maintenant. Voilà, Piafi herbivore. Voilà. Même pouvoir mettre une deuxième colonie express. Et boum. En attendant, on va pouvoir éditer celle-là. Ah ouais, quand je vous dis que ça avance bien. On va avoir des bonnes planètes qui produisent bien. C'est toujours hyper utile.
Hop. Hop. Voilà, est-ce que j'ai encore de la place? Du coup, est-ce que là, ce serait pas plus pertinent de mettre ça? Si. 108 par heure, je gagne colon 3. Juste une bombe, méga impulsion, bouclier, méga auto-DCA, missile antimatière. Et je monte en grade, et ben dis donc, tout ça d'un coup, c'est plutôt impressionnant. Et je gagne le titre d'honorable. On va s'occuper de cette planète là. Si on pouvait gagner un colon supérieur, un badge de colon supérieur, ce serait cool. Hop. Alors il y en a qui font qui c'est pas content. Alors est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Ouais, allez, on va dire que ça c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, j'ai passé la barre des 1 million là, je suis en dessous. Ça craint. Alors, du coup, j'ai débloqué un paquet de trucs. Très bon état, grande capacité énergétique. Ouais, je débloque un paquet de trucs là. Bon, ça commence à coûter vachement cher. On va aller chercher des pistes violettes. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il me faut pour acheter une super un super stockage pour augmenter la place. J'ai envie de dire 10 par 10, c'est pas énorme quoi. Méga impulsion. Waouh. Non, sérieusement là on commence à bien gérer. Alors toi, j'ai besoin de fric, s'il te plaît. Bah t'achètes plus. Avant t'achetais ça super cher. Ah bah voilà, des réserves à épices. Je t'en ai acheté deux et je vais les placer sur une planète. Ici. Par contre j'ai plus du tout de sous. Alors, ils ne les achetaient pas avant à super cher. Ah, et réserve à épices. Et hop, une réserve supplémentaire. Alors faudra peut-être que je place d'ailleurs des sentinelles autour de cette planète au cas où, histoire d'être tranquille. Ils doivent avoir le mal de mer quand même dans cette soucoupe. Ils sont à moitié en train de se retourner à chaque fois que je tourne. Ah d'accord, pas plus d'une par planète. Bon. Bon, on sait que ça marchera pour la prochaine fois. Ok, ça l'a doublé. La prochaine fois, je reviendrai, il y en aura 20. Par contre, ça m'emmerde que là, ça soit descendu. J'avais une super planète, quoi. Ah, sinon, c'est 38 000. C'est devenu un peu bof-bof. Hein. Mais est-ce que j'avais la bonne ? Est-ce que c'était la bonne planète sur laquelle j'étais ? Ah, c'était la bonne, hein. Oh, chier. Pardon pour ce langage grossier, mais là, clairement, j'ai trouvé une super planète. Et elle vient de me faire un peu faux bon, là. Il faut que je me retrouve une planète acheteuse, comme j'appelle ça. Une planète acheteuse. Ok, pas ici. Le mieux, ça serait 50 000. Enfin, 58 000. Ça serait vraiment le must du must. Ah oui, c'est vrai que eux, je peux pas leur parler. On a que je m'en occupe, d'ailleurs. Parce qu'on peut pas rester indéfiniment comme ça. Soit je les élimine, soit j'en fais des copains. Quitte à les éliminer plus tard. Hein ? Pire, c'est pas bien grave. Bon, c'est un peu casse-pied, ça. C'est un petit peu casse-pied. Oh, là, il y a quelque chose.
11 000, et puis c'est la fin d'épisode. Alors attendez, je vais juste chercher voir ce qu'il y a sur cette planète. Ok, il semblerait que c'est pas un piège pour une fois. Dans l'autre sens. Alors, un outil. Qu'est-ce que c'est comme outil? Alors, d'accord, bah couleur planétaire d'origine, sauf que là ça va rien changer. La version d'origine. Bon, ok, pourquoi pas. Je vais jouer un petit peu tout seul et je vais essayer de trouver une planète vendeuse, enfin une planète acheteuse, comme ça ça sera plus trop pratique pour redémarrer dans le prochain épisode. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine, salut à tous !